Et bonjour à tous. Voilà, de retour pour une nouvelle rando. Alors là, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques. Je viens juste d'arriver au lac de Biou-Artigues. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, petit point de vue. Alors il est 19h, 19h30, donc là ça commence à tomber. Le plafond est assez bas, mais bon, c'est en train de se lever quand même. C'est du soleil pour demain. Voilà, lac de Biou-Artigues. Alors, ce lac, toujours mes petites pompes, hein, j'ai préparé. Alors, ce lac de Biou-Artigues, donc c'est un lac de barrage. Altitude de 1416 mètres moyenne. Superficie 33 hectares, donc il est quand même assez grand. Profondeur moyenne 40 mètres. Alors tout autour, vous pouvez faire, il y a des activités. Il y a du poney, canoë-kayak. En me baladant un peu, là, je viens juste d'arriver. Il y a une buvette, donc il y a des crêpes, café. Bon, il y a de quoi se restaurer sur place. Voilà. Alors, je suis donc ici pour une rando de 2 jours. Une nuit sous la tente, évidemment, pour faire le tour du pic du Midi d'Ossau. Voilà. Alors cette rando, ça fait un petit moment que je l'attends quand même. Longtemps que j'avais envie de me faire ce tour du pic du Midi d'Ossau, le fameux Jean-Pierre. Voilà, donc je vous en reparlerai plus loin pendant que je ferai ma rando. Voilà, donc là, eh bien, je vais finir de m'installer. Donc je vais dormir, eh bien, évidemment, comme d'habitude, dans la voiture, pour pouvoir partir de bonne heure demain matin, en pleine forme. Et puis crapahuté, donc rando environ 26 km, 1000, je sais plus combien, 1300, 1400 mètres de dénivelé positif. Bon, c'est pas trop méchant, sur 2 jours ça va. Voilà, et dormir, je vais dormir autour du lac Gentot. Mais bon, je vous en reparlerai un peu plus tard. Voilà, allez, un petit tour, et puis je vous laisse. Voilà, comme je disais, c'est gris, mais il y a du ciel bleu qui arrive, ça se lève, ça se lève. Voilà une vue un peu plus élevée du lac de Biou-Artigues. Voilà, c'est un lac, on peut faire le tour, hein. On peut faire le tour tranquillement, il y en a pour 1 heure environ. Voilà, là c'est par contre c'est très 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 ombragé. Donc quand il fait chaud, vous venez ici et vous êtes tranquille. Voilà, je vous montre un peu les. Pour maintenant c'est beaucoup plus calme quand même. La saison est passée, finie, terminée. Donc c'est déjà beaucoup plus calme. C'est ce que je cherche moi. La petite cabane. Voilà, c'est le coin des animations chevaux, poney. Donc je pense qu'on doit pouvoir louer des poneys pour faire des parcours. Voilà, c'est sympa. Voilà, le coin des chevaux. Ah, ils sont tous partis, hein. Il n'y en a plus un seul. Donc voilà, donc je pense qu'on va pouvoir faire le tour du lac.
On peut faire du canoë aussi. Voilà, la saison se termine. On est le 2-3 septembre, je ne sais plus trop. Donc là, il n'y a plus grand monde. Il y a quelques personnes quand même qui vont dormir cette nuit autour du lac. Là, j'en ai vu quelques-uns. Ouais, type de canoë que vous pouvez louer. Voilà, vous pouvez vous balader sur le... sur le lac de Biou-Artigues, Pyrénées Atlantiques. Alors c'est gris, hein, parce qu'il va être bientôt 20h. La nuit va pas tarder à tomber. Voilà, lever de soleil sur le lac de Biou-Artigues. Voilà, cette nuit j'ai dormi là. Hop. Et voilà, début de la rando, tour du pic du Midi d'Ossau. C'est parti. Voilà, ça commence par une partie en sous-bois. Bon, et bien entendu, ça grimpe. Voilà, ça sera la seule partie en forêt. Après tout le reste, il n'y a pas d'arbres. Là, ça monte raide. C'est du tout chousse. Alors on y va tranquillement, histoire de chauffer un peu les muscles.
qu'il est à peine 8h. Donc on y va tranquille. Voilà, toujours dans le bois de Bioartigues. Et donc je vous confirme, ça monte. Là, le déjeuner est en train de descendre dans les chaussettes. Mais c'est bien. Je suis là pour ça, de toute façon. La montagne, ça monte, ça descend. Et c'est très bien. Allez-moi ça. Hop. Et de là-bas en bas. Bon, c'est sûr qu'à la caméra, ça écrase un peu les perspectives, mais... Voilà, une superbe forêt. Très beaux arbres. Regardez celui-là. Là. Ouais, ce bois est bien agréable. Il fait bon là, le soleil est en train de se lever, donc c'est encore un peu sombre, mais... Ah, le soleil qui se lève. Et les randonneurs, ça défile. Bon, il n'y a pas grand monde, hein. La saison est terminée. Alors toujours dans le bois de Bioartigues, ouais, c'est un très joli bois, un bois fourré quoi. C'est joli, hein, c'est agréable, il fait bon là. Hop. Voilà, petit chemin pas trop caillouteux. Pour l'instant ça va. Bon, je pense que bientôt je vais sortir du bois. Il n'y a pas pour longtemps là. C'est déjà 1,5 km que je suis dans le bois.
Je crois que je vais arriver au bout du bois. Ça sent le soleil. Bientôt, il va falloir mettre le chapeau. Voilà, je suis reparti encore en sous-bois. Moi bon, j'ai mis le grand chapeau. Alors là j'ai changé parce que ma dernière rando j'avais juste une casquette. Et je m'étais pris un coup de soleil sur les oreilles. Alors du coup j'ai changé. Et là je suis bien protégé. Allez, ça continue. Voilà, donc toujours en sous-bois, là je suis revenu. Vraiment agréable, c'est super bon. Ils ont annoncé 20-22 cet après-midi. Là, c'est le temps idéal pour randonner. Regardez-moi ça si c'est joli. Et le ciel d'un bleu superbe. Voilà.
Alors les panneaux ici, ils sont assez sympathiques quand même. C'est pas mal. Magnabet. Voilà, et moi je vais direction col de Suzon. Allez, encore un petit tour. Allez, moi ça, si c'est beau. Waouh! Alors, si on prend ce petit chemin qui descend là, ça mène à la cabane de Maniabé. Et donc, il y a de. Bon, je pense que maintenant la saison est terminée, mais vous avez un berger qui vend des fromages. Voilà, c'est un peu caché là au panneau. Panneau d'en dessous là. Vente fromage à la ferme. Voilà. Alors si vous aimez le fromage, ben, n'hésitez pas. Ça fera plaisir au berger, ça le fera travailler. Allez, moi je continue col de Suzon. Fromage, j'essaierai d'en acheter en revenant, enfin en repartant. Parce qu'ici c'est la région. En pleine, ici je suis en pleine vallée d'Ossau. Fromage d'Ossau, ça c'est quelque chose, celui-là il est bon. Alors aujourd'hui, par rapport au pic du Midi, à ma dernière rando du pic du Midi, cette rando là j'ai remis les bonnes vieilles chaussures de rando quoi, parce que sur le tracé j'ai vu qu'il y avait pas mal de gros rochers, de la pierrasse, donc voilà, je ne voulais pas non plus me niquer un pied. Voilà, il faut savoir s'adapter aussi. Quand c'est des randos, il n'y a pas trop de rochers, on peut y aller en chaussures de trail, mais là, je préfère mettre les chaussures de rando. Voilà, voilà pourquoi, parce que, voilà, je suis là-dedans, dans du bon vieux rocher. Et alors ça, pour le dessous des pieds, il n'y a rien de mieux pour se casser les pieds. Là. Voilà. Alors, faut être prudent. Et toujours ces paysages. Voilà, je suis définitivement sorti de du bois de Bioartigues. Voilà, regardez-moi ça si c'est beau. Superbe, vraiment superbe. Moi je prends mon pied là. Moi je me répète, le temps très 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 agréable. Pas d'air, rien du tout. Allez, c'est pas tout, mais faut continuer à avancer quand même un peu. Toujours pareil, direction col de Suzon. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure, là, un peu plus avant dans la vidéo. La cabane de Maniabé. Voilà, c'est tenu par un berger. Je vais vous la montrer là, en contrebas. Donc voilà, pendant la saison, eh bien, il vend ses fromages. Donc n'hésitez pas à y aller. Hop. Voilà, la cabane de Maniabé. Bon allez, petit résumé là depuis le début de ma rando. Voilà, toujours pareil, j'ai préparé. Alors, ma rando, dénivelé positif, environ 1825 mètres. Distance totale, 26 km.
26 km, c'est le tracé direct, hein, ça compte pas les allers-retours que je fais pour filmer à droite et à gauche, donc je pense que j'en serai un peu plus que ça. Donc cette rando, donc c'est le tour du pic du Midi d'Ossau, donc je la fais dans le sens horaire. On peut la faire dans les deux sens, mais bon, moi je choisis ce côté, donc voilà, partez dans le sens que vous voulez, c'est pas un souci. Donc voilà, j'ai fini de traverser le bois de Buartigue. Donc la sortie du bois se fait environ vers 1740 mètres d'altitude. Et donc je suis parti le lac de Buartigue, 1416 mètres. Donc voilà, alors je vais vous montrer la cabane de Maniabé. Voilà. Alors la cabane elle est tout en bas, tout au fond là-bas. Hop, au bout du doigt. On va essayer de grossir un peu. Voilà. Alors cette cabane, donc la cabane de Maniabé. Donc elle est à une altitude de 1697 mètres. Donc par là, pendant la période d'estive, elle est occupée par un berger. Et donc, vu les panneaux que j'ai rencontrés, donc il est possible de lui acheter du fromage. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, fromage brebis et chèvre. Voilà, donc apparemment il y est toujours parce que j'entends des chiens, il y a des tables qui sont dehors. Donc c'est encore la saison. Voilà, j'imagine qu'en pleine saison, juillet, août, ça doit bien tourner. Voilà, si vous aimez le fromage, eh bien, vous êtes en rando, vous avez envie d'en manger, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas beaucoup d'écart à faire sur le chemin. Voilà. Et on est toujours dans ces superbes paysages. Regardez-moi ça si c'est beau. Bon, mais je vais là-dedans, hein. Je vais là-bas en haut, direction col de Suzon. Regardez-moi ces gros blocs là, ça c'est superbe, voilà. Moi ça j'adore. Hein. Voilà la rando, du dénivelé, du soleil. Des cailloux, comme dirait Francis. Un petit tour pour vous faire profiter quand même. Superbe, vraiment superbe. Voilà, alors c'est là-dedans qu'on apprécie les bonnes chaussures de randonnée avec une semelle bien épaisse. Voilà, c'est sûr que c'est un peu plus lourd au pied, mais enfin, là au moins on sent pas les rochers. Voilà, alors là ça grimpe, hein. On ne se rend pas compte certainement en filmant, mais ça grimpe, hein. Donc toujours pareil, hein.
direction le col de Suzon. Après, ça redescendra un peu. Voilà, je laisse la cabane de Maniabé là-bas tout au fond. Voilà, je viens de passer tout un tas de rochers là. Pouf. Voilà. C'est pas mal ça. Allez, je vous emmène avec moi. On y va. Regardez ça. Bon, je lève pas trop là parce que je vais être en contre-jour. Superbe. Regardez-moi ça si c'est beau. Voilà. Question, à droite ou à gauche? Je crois que le plus calme, ça va être à droite. Voilà, petit ruisseau qui passe là. Bien sympa. Bon, ben à droite, hein. Bon, là, il faut faire un peu gaffe quand même. Hop. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas joli ça. Allez, un petit tour. Et je vais bientôt basculer là. De l'autre côté. Regardez-moi ça, superbe. Bon, toujours pareil, ici de l'eau il y en a. Hop, je m'en vais là-dedans.
Alors des marquages, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, c'est pas bien compliqué, de toute façon il n'y a qu'un chemin. Hein, là. Alors de temps en temps on trouve ce style de des petits cairns là, des cailloux. Mais bon. Là c'est. Autant dire que c'est impossible de se perdre. Quoi. Vous suivez le sentier en avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Voilà, style ça. De temps en temps, il faut regarder où on est. Ça évite de revenir en arrière et de faire des kilomètres de trop. Hop. Voilà. Allez, un petit tour encore. Je vais peut-être aller là-bas. Vous voyez, quand je vous dis que en filmant et en photographiant, on fait des kilomètres en plus. Voilà. Parce que là, je sors du chemin, il n'y a pas grand-chose, mais 50 mètres aller, 50 mètres retour. En deux jours, ça fait des bornes. Voilà. Tout ça pour vous montrer ça. C'est quand même pas mal. Regardez-moi ce point de vue là. Sur toute la vallée. Waouh. Alors là. Allez, on va partir pour un 360. Bon, là, j'ai le soleil en pleine tête. Bon, je vais certainement me retrouver à l'ombre à un moment donné. Regardez-moi ça. Allez, 360. Ouais, y a pire, hein. Y a pire comme paysage. Et voilà, la fin du manège. Allez, on va continuer. Hop. Allez. Et voilà, donc là, je reviens sur mon chemin. Donc ça va me faire 100 mètres en plus. Mais c'est pas grave. Allez, ça, si c'est beau, cette barre rocheuse là. Voilà, et moi je vais tout là-bas, col de Suzon, là-bas en haut, dans le creux. Il est là-bas. Voilà, j'en ai pas pour 10 jours, je vais vite arriver. Ça monte pas trop. Bonjour. Alors devant moi, il y a trois personnes. Parmi eux, il y a un gendarme. Voilà, donc ils font en tenue, donc il est en service, le gendarme. Alors là, j'avoue que la gendarmerie, ça me tenterait bien. J'ai discuté 10 secondes avec eux, très gentils les gars, ils ont un chien, donc ils doivent faire le, comme moi, le tour du pic du Midi, d'Osso. Bon, je ne les ai pas filmés de face parce que je fais quand même attention. Après, ils vont se retrouver sur YouTube, quand même pas faire n'importe quoi. Voilà, donc ce petit sentier là, très sympa. Ça monte, mais tranquillement, quoi. Là, il n'y a plus trop de cailloux. Ça monte quand même. Et donc, comme je l'ai dit,
col de Suzon, là-bas, au bout des bâtons. Donc en marche normale, c'est-à-dire pas comme moi, s'arrêter souvent pour filmer, faire des photos et tout le bazar. Si vous marchez normalement depuis le lac de Buartigues, il est donné 2h30, si je me souviens bien, ouais, 2h30 le col de Suzon. Bon, c'est pas... ça se fait tranquille, quoi. Voilà, là c'est la prairie. C'est bien agréable. Ça repose un peu les pieds. Marcher sur l'herbe. Là on ne les voit pas, mais tout en haut il y a trois personnes qui arrivent au col de Suzon. Ah, et toujours cette barre rocheuse. Voilà, sur des passages comme ça, ça permet de rattraper un peu le retard pris à faire de la vidéo et des photos. C'est-à-dire que je peux filmer tout en marchant. Là, je risque pas grand-chose. Et donc, je peux marcher quand même plus vite. Donc, je vois que j'arrive à tenir le rythme des trois qui sont devant là. Ça me rassure parce que je me suis déjà arrêté pour filmer. Ça veut dire que j'en vois pas mal. C'est bien. Comme quoi faire du sport en dehors des randos, ça aide aussi. Et oui, faut s'entretenir. Allez, ça. Alors on aime ou on n'aime pas ce genre de paysage. Et là, c'est vraiment de la prairie. Moi, je trouve ça superbe. Hein. Puis alors là, les sentiers sont marqués. Les gens, ils y sont passés. C'est impressionnant quand même. Allez, encore un petit tour. Toujours en montant vers le col de Suzon. Ah, et toujours de l'eau qui coule, hein. Ça coule de partout ici. Voilà, pour remplir les gourdes. Bon, vous filtrez quand même, hein, parce que même si on est en altitude, il suffit qu'il y ait une bestiole qui soit crevée un peu plus haut. Faut filtrer l'eau. Ça coûte pas cher un filtre. Ça évite de choper des entre guillemets saloperies. Allez, encore un tour. Hop là. Allez, on va faire des photos maintenant. Voilà, toujours aussi beau. Toujours dans la montée du col de Suzon, là je vais pas tarder à arriver.
Alors mon col de Suzon, il est là-bas. Bon, c'est toujours pareil en rando, quand on voit le... C'est pas le point d'arrivée, mais le point de passage, on se dit chouette, j'arrive, j'arrive, et puis on n'y arrive jamais, quoi. Ça continue toujours, ça monte, ça monte. C'est pas grave, ça fait les mollets, les cuisses. Ça fait du bien. Allez, un petit coup de plus. Ah, moi, cette vallée là en bas, moi j'adore, hein. Superbe. Allez, je vous emmène un peu avec moi quand même. Vous serez moins seul. Voilà, bon, apparemment, il y a, ouais, il y a des gens qui redescendent, donc je vais croiser. Je vais en croiser deux randonneurs. Mais bon, c'est vraiment calme. Hein. Je suis bien content d'être venu hors saison pour faire cette rando. Parce que là, juillet, août, c'est l'autoroute. Hein. Si vous êtes comme moi, que vous aimez un peu la tranquillité, bon, il en faut pour tout le monde. Hein. Tout le monde a le droit de randonner, de se promener, c'est pas le problème. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu calme, quoi. Hop. Hop, allez. C'est pas beau ça. Franchement, c'est pas beau. Ah, je vais bientôt toucher au but là. Col de Suzon, ici. Et je pense que je vais m'y faire une petite pause là-bas en haut. Voilà, j'y arrive enfin. Col de Suzon. Avec évidemment le pic du Midi d'Ossau. Hein. Alors c'est à partir de là que on peut monter au. On peut faire l'escalade du pic du Midi d'Ossau. Voilà, col de Suzon. Et, oh, 2127 mètres.
Alors là, on domine. Voilà le pic du Midi d'Ossau, surnommé Jean-Pierre. Bon, j'expliquerai un peu plus loin, on a un meilleur point de vue. Je pense que ce soir, là où je vais dormir, on le verra mieux. Donc j'expliquerai quand même pour le surnom de Jean-Pierre. Voilà, d'où j'arrive. Alors j'arrive de tout là-bas au fond. Hein. Au fond. Montez là. Là-bas. Et j'arrive par là. Voilà, il y a tout un tas de chemins qui partent pour atteindre les sommets alentours. Bon, j'ai pas les noms, j'ai pas trop regardé. Vraiment superbe. Là, on a un point de vue fabuleux. Allez, petit coup d'œil encore sur le Jean-Pierre. Voilà, c'est reparti. Descente vers le refuge de Pombi. Avec Jean-Pierre, pic du Midi d'Ossau. Voilà, col de Suzon, là-bas. Voilà, toujours le pic du Midi d'Ossau. Alors là, je suis vraiment au pied, quoi. Alors là, on ne le voit pas trop bien de ce côté. De l'autre côté, on le verra mieux. Il est en forme de dent, quoi. La grande dent et la petite dent à côté. Alors là, ça va quand même beaucoup mieux parce que je redescends. Bon, ça tire quand même sur les cuisses, hein, parce que monter, ça fait mal, mais descendre aussi les cuisses en laissant passer. Alors là, en dessous, il y a tout un troupeau de chevaux. Bon, je vais y passer à côté. Tout à l'heure, on va mieux les voir. Ouais, je peux pas zoomer plus. Ouais, toujours ces paysages. Hein. Ouais, superbe. Allez, un petit selfie là, avec le pic du Midi d'Ossau. Voilà, je vais y arriver. Juste au-dessus de ma tête, pic du Midi d'Ossau. Voilà, j'y suis. Là, je suis vraiment au pied. Allez, un petit 360. Voilà, je suis en noir, contre-jour, mais c'est pas grave. Regardez ça,
L'important, c'est pas moi, c'est le paysage. Voilà, tout derrière là-bas. J'arrive pas. Col de Suzon. Et là-bas, si j'arrive à le voir. Pas trop. Refuge de Pombi. Je vais y passer tout à l'heure. Ah ouais, là c'est vraiment à la verticale, hein. Superbe. Allez, on va descendre. Et continuer la route. Bientôt m'arrêter pour casser la croûte quand même, c'est midi, je vais pousser un peu peut-être jusqu'au refuge de Pombi, je vais voir. Pour l'instant j'ai pas trop faim donc je continue. C'est vraiment bon, pas trop chaud, impeccable.